Bonsoir à tous. Oui, je sais que ce n'est pas le moment euh, où je poste normalement des vidéos, mais il y a Mohamed qui a un test sur le mot toon en irlandais. Toon. Et même si je ne sais pas à quel niveau Mohamed doit le connaître, je ne sais pas s'il est en deuxième, troisième, quatrième ou sixième. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est important avec le mot toon ben, Toon, c'est un tout petit peu comme quand. Donc, le problème est vraiment, est-ce que je peux utiliser « tun » comme j'utilise « als hein, » ou « vanir » Ça, c'est la question. Alors, il y a des phrases où je peux simplement utiliser « tun als » ou « vanir » il n'y a pas de différence. Mais quelles sont les conditions pour utiliser « tun » Première chose, j'ai mis ici en gras, « tun » veut dire « au moment où ». Si vous pouvez remplacer euh, le mot par au moment où, et ça, je ne sais pas si Mohamed doit déjà connaître, mais parfois aussi à ce moment-là, alors on utilise toon. Ça, c'est la première chose à retenir au moment où. Deuxième chose à retenir, toon est toujours suivi par un passé. Toujours, toujours, toujours. Tu ne peux pas utiliser toon et puis utiliser un présent. Voilà, ce sont les deux conditions. Maintenant, je vais quand même donner quelques exemples euh, et après, j'attends un peu la réaction de Mohamed pour voir. Est-ce qu'il a besoin de plus d'explications? Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord? Quand tu arrivais, je n'étais pas encore là. Alors, est-ce que je peux remplacer quand par au moment où, hein, on va essayer, au moment où tu arrivais. Je n'étais pas encore là. Oui, donc, je vais pouvoir dire Tun, je an, C'est l'imparfait d'un, euh, Je n'étais, inversion Was, ik, er, noch, niet. Le er, c'est un peu comme i. D'accord Mais c'est pas ça le, la question aujourd'hui. Donc, tun, oui, parce que c'est au moment où ok euh, je vais parce qu'en fait je vois que je n'ai pas mis suffisamment de phrases mais imaginons maintenant euh, que je, je fais la phrase quand tu es malade tu dois pardon tu dois appeler un médecin regardez déjà si vous comprenez bien la phrase donc quand tu es malade tu dois appeler un médecin ça c'est plus général donc c'est quand tu es malade euh, Ok, est-ce que je peux dire au moment où, oui, au moment où tu es malade, tu dois appeler un médecin, oui. Est-ce que c'est suivi par un passé, non. Donc, je ne peux pas utiliser « tun », je peux utiliser « als » ou « vanir ». Donc, « als » ou « vanir »,« je ziek bent », etc. Voilà, « moet je een dokter bellen ?» Et donc, on a bien vu que ces deux conditions ici n'ont pas été remplies. Oui, on peut dire au moment où, mais non, il n'y avait pas un passé qui suivait. D'accord, Mohamed Ok, on continue. Chaque fois, quand tu arrivais, je n'étais pas encore là. Alors, chaque fois, au moment où tu arrivais, je n'étais pas encore là. Oui, ça peut marcher. Oui, j'ai un passé, mais... Et donc, ça, je ne sais pas si Mohamed, Mohamed pardon, doit déjà connaître ça, mais ce n'est pas pour des actions qui se répètent. Quand je dis chaque fois, bah, ça veut dire qu'il y a une répétition. Et normalement, grammaticalement correct, je ne peux pas utiliser toon. D'accord Parce que chaque fois, bah, on est d'accord, c'est une euh, répétition. D'accord OK, donc, est-ce que j'utiliserai dans ce cas-ci ou wanner. Wanneer » est un tout petit peu plus euh, formel, d'accord Donc, als je compte, euh, als je was ik er noch nicht. Ok Alors, quand j'étais malade, tu m'appelais tous les jours. Est-ce que je peux dire au moment où j'étais malade Oui. Est-ce que c'est suivi par un passé Oui. Est-ce qu'il est, est qu y a une répétition Non, je ne pense pas. C'était donc au moment où j'étais malade, tu m'appelais tous les jours. Donc, tun, tun ik zik euh, bla blablabla. Bla. OK Et alors, de nouveau, ici, j'ai chaque fois. Chaque fois quand tu étais malade, tu m'appelais. Donc là, il y a une répétition. Et normalement, grammaticalement, mais je veux dire qu'il y a même des professeurs qui ne l'utilisent pas correctement, mais normalement, de répétition donc chaque fois quand tu étais malade donc als ou vanir d'accord euh, alors qu'est ce que j'ai encore mis oui la dernière phrase est un exemple de euh, tun euh, on utilise tun pour pour à ce moment là et à ce moment là euh, il est arrivé d'accord et à ce moment là il a commencé à pleuvoir. Oui, j'ai un passé ici. Euh, il n'y a pas de répétition parce que c'était bien à un moment bien précis, donc ça se passe une fois. Euh, et je peux um, utiliser. As, je peux um, et euh, j'ai utilisé as, à ce moment-là. Donc, on va dire, et um, is aangekomen. Ok. Donc, euh, Mohamed, Mohamed pardon, il faut regarder ça un petit peu, faire les exercices de l'école. Et si jamais il y a encore des questions, il faut absolument revenir vers moi. Bonne soirée.